Bonjour. Désolé pour le retard, hein? Désolé pour le retard. Que Dieu bénisse. Trop d'occupations. Vous savez, on est en train de lancer un grand programme ici à Douala tout à l'heure, à partir de 16h. Donc, nous sommes là, en train de monter, descendre, et voilà. Donc, connectons-nous massivement, s'il vous plaît. Partageons la vidéo. Je suis en train de sauter déjà, de blesser. Ok. Cherche une rallonge, passe mon téléphone. En train de faire des petites me chercher des chicanes. Connectons-nous s'il vous plaît, partageons la vidéo au maximum. Invite quelqu'un rapidement, que Dieu te bénisse. Fais-le et reçois la double portion au nom de Jésus. J'ai oublié quelque chose. I just forgot something. How will I do it now? Is it possible to do it? Is it possible? I don't believe it is possible. Voilà. Voilà, bonjour à chacun, bonne arrivée à tout le monde. Eliane, Véron, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne arrivée. Content de vous avoir, s'il vous plaît. Voilà. Allons-y, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Je vais bien. Merci. Que Dieu vous bénisse. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Nous voulons un maximum de personnes ce matin parce qu'on aborde des sujets très complexes, très compliqués. Bonjour à Lucha Luran, bonjour à Kopini Mayimona. Ah, ça c'est un nom terrible. Valas Tutina, que Dieu vous bénisse. Bonjour à Sawadogo Umu. Ah, ça c'est quoi ce Burkina Faso? Sawadogo, Burkina Faso. Marie Eko, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Coupen Claire, Coupen. Ah. Ça, ce matin, les noms, ils sont... Ouais, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Placide Kapongo. Dis-nous de quel pays vous nous suivez, s'il vous plaît. Prophète Brice. Waouh, que Dieu vous bénisse. Mabiala, Mabiala. Aïcha Ngobanak, que Dieu vous bénisse. Ça me rappelle l'époque où j'étais encore à l'école, où on lisait la fiche de présence. Il y a qui encore ce matin? On a qui? S'il vous plaît, partageons la vidéo. Pascal Djabiasi. Mon fils, tu es où? Reverend Pascal, where are you, sir? I want to meet with you. I'm in Douala. Let us meet tonight, please. Let us meet tonight. We have to share some issues together. Architecte Romain. Oh, mon fils, c'est notre pasteur au Togo. Je vous encourage à être au Togo. Sakbato Logoté. Nous avons une grande église là-bas. Donc, pour ceux qui veulent adorer avec nous au Togo, on a l'église au Togo, à Sakbato, Logoté. Il y a une autre église au Bénin. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de vouloir aller au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Voilà. Dorian Stockholm. Elle est à Stockholm, en Suède. Stockholm, ça vous rappelle quoi? Hein? La Casa de Papel. La Casa de Papel. La Casa de Papel. Hay hace mucho tiempo que no he hablado español. Expresado, no me he expresado en español. Porque en cada lengua hay que ejercerse. Voilà. Que Dieu te bénisse. Père, merci. Nous sommes en train de monter. Nous voulons partager un moment extraordinaire avec mes bien-aimés. Seigneur, prends contrôle, que ton nom soit glorifié. Merci pour la ville de Douala qui est arrosée ce matin par une belle fraîcheur et une pluie bienfaisante. Une pluie bienfaisante. Père, je prie que la même rosée descende sur tous ceux qui sont connectés ce matin pour leur apporter la rosée d'en haut, la pluie de l'avant et de l'arrière saison dans le nom précieux et souverain de Jésus. Révèle-toi à chacun comme étant le Dieu des impossibilités. Le Dieu des impossibilités. Ok. Ok. Appuyez sur le bouton affiché. Je ne vois pas le bouton affiché. Ok. Connectons-nous, s'il vous plaît. Connectons-nous. 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 Connectons-nous.
Connectons-nous, s'il vous plaît, connectons-nous massivement. Entre-temps, moi, j'essaie de faire quelque chose rapidement là. Voilà. Voilà. Que Dieu te bénisse au nom de Nazareth. Ça, c'est quoi ça? Connectons-nous, s'il vous plaît, massivement. Facebook est terrible. Un instant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Un maximum de personnes. Maintenant, nous pouvons commencer. Que Dieu te bénisse. À tous ceux qui sont connectés, que la grâce de Jésus soit sur vous. Que sa grâce qui surpasse l'or et l'argent soit votre partage de façon abondante au nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà, pour commencer ce matin, je voudrais déjà revenir sur ce que nous avons abordé hier. Nous sommes en train de parler du trafic de destinée. Le trafic de destinée. Et dans le problème du trafic de destinée, qui est une réalité dans la Bible, c'est une grande réalité. Et je veux partager avec vous quelque chose que le Seigneur m'a permis de voir ce matin. C'est un peu ultra sensible, mais vous êtes des personnes matures. S'il y a quelqu'un qu'on est en train de trafiquer, dont on est en train de trafiquer la destinée, nous allons stopper le trafic de ta destinée ce matin dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Ça doit s'arrêter. Et je veux prier avec vous ce matin pour cela. Donc le trafic de destinée, quand vous lisez la Bible de Genèse à Apocalypse, vous trouverez que le trafic de destinée est une réalité en fait. C'est quelque chose que beaucoup de personnes sont en train de subir dans leur vie. Et j'ai eu à expliquer qu'il y a des gens qui naissent et meurent sans avoir accompli leur destinée sur la terre. Là aussi, c'est une autre vérité qu'il faut savoir. Comme il y a d'autres personnes, il y a des gens qui découvrent leur destinée très tard, je voulais dire. Il y a des gens qui, c'est dans leur vieillesse, qui découvrent leur destinée. D'autres aussi ne la découvrent jamais. D'autres la découvrent très tôt. Ils sont encore enfants et ils découvrent leurs responsabilités et ils découvrent ce pourquoi Dieu les a appelés et ils commencent à travailler. Vous voyez, par exemple, le Seigneur Jésus-Christ, à partir de 12 ans, déjà était sur le chemin de sa destinée. Mais il y a des gens qui découvrent ce pourquoi Dieu les a créés très tard. En fait, le but même de la vie, c'est d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé. Ce n'est pas tout ce qui s'ouvre à nous qui est de Dieu. Ce n'est pas toutes les portes ouvertes qui sont de Dieu. Je répète encore, ce n'est pas toutes les portes qui sont ouvertes qui sont de Dieu. Non. Jérémie 29, verset 11. Je connais moi les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc c'est Dieu qui parle à Israël. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc sur chaque personne, il y a des projets que Dieu a formés. Il faut savoir cela. Donc, à partir de ce moment, on ne se compare à personne. Je ne me compare pas à toi parce que nous sommes différents. On a deux destinées distinctes. Je ne fais pas une compétition avec toi, comme je disais hier. Le ministère, ce n'est pas une compétition. La marche avec Dieu, ce n'est pas une compétition. La vie n'est pas une compétition parce que nul ne peut remplacer personne. Nous nous complétons. Il faut comprendre que nous allons sur la base de la complémentarité. Donc, dans ta vie, ne compétis avec les gens, ne compétis avec personne. Ne te laisse pas influencer par le succès de quelqu'un et ne te moque pas de l'échec de quelqu'un parce que tu ne sais pas comment demain est fait. Tu ne sais pas comment ton demain sera et tu ne sais pas comment le demain de ton frère sera. Dans les destinées, il y a ce qu'on appelle l'enchevêtrement des destinées. L'enchevêtrement des destinées, c'est quoi? C'est que tu peux voir quelqu'un qui est riche aujourd'hui et une autre personne est pauvre. Mais dans le futur, celle qui est pauvre devient riche et la personne qui était riche devient pauvre.
Donc, tu peux être aujourd'hui dans le foyer, tu te moques de quelqu'un qui est célibataire. Et demain, pendant que la personne est en train d'être élevée dans le mariage, toi, tu es en train d'être divorcé. On a été divorcé de toi. Donc, on ne connaît pas comment la vie est. Et donc, ça fait en sorte que il y a quelqu'un que tu peux mépriser aujourd'hui. Et demain, la personne sera le pont pour ton relèvement. Mais si tu avais maltraité la personne, alors tu auras honte de cette personne. Ou alors, si la personne est méchante, elle ne t'aidera pas. Tu ne connais pas comment ton demain sera. Et tu ne sais pas comment le demain de telle personne sera. C'est cela qu'il faut avoir du respect envers tous. Il faut respecter les gens. Même si tu penses être qui, il faut respecter les gens parce que les hommes ont besoin des hommes. C'est l'enchevêtrement, le principe de l'enchevêtrement de destinée. Tout le monde, personne ne peut vivre par lui seul. Tout le monde a besoin de quelqu'un pour être quelqu'un. Au Cameroun, on dit souvent que quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un. Donc c'est important de comprendre cela. Le mépris des hommes, ça montre que vous n'avez pas compris la vie. Il ne faut pas mépriser les gens. Ne méprise personne. Même si tu penses que tu n'as besoin de personne, tu te trompes. Parce que même le président de la République, c'est le conglomérat, l'agglomérat de personnes qui l'entourent, qui font de lui. Le président de la République, c'est cette organisation humaine-là, ce qui fait de lui président de la République. Si on enlève cela, il ne peut plus gouverner seul. Ce n'est pas possible. Personne ne peut gouverner seul. De même qu'un membre ne peut prendre seul soin du corps, de même nous tous, nous avons besoin de quelqu'un dans nos vies. C'est là que le respect d'autrui est fondamental dans la vie. Je parle aux personnes méprisantes, aux personnes orgueilleuses, aux personnes qui aiment regarder les autres de travers, c'est-à-dire qui pensent qu'elles sont arrivées, elles sont parvenues, et donc elles n'ont besoin de personne, qu'elles sont plus grandes que les autres, ou elles sont supérieures, plus intelligentes, plus belles, etc., etc. L'orgueil de la vie, l'orgueil de la beauté, l'orgueil de l'intellectualité, etc., etc. Toutes ces choses-là, en fait, c'est de la folie. Ça montre que vous êtes encore insensé, vous n'avez pas encore compris la vie. Et laissez-moi vous dire une chose. Ceux qui n'ont pas compris la vie sont orgueilleux. Les gens qui ont compris la vie, la caractéristique principale, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Ils ne discutent rien avec personne parce qu'ils ont compris que la vie est éphémère. Ceux qui gonflent, ceux qui veulent chanter, qui veulent qu'on les chante, ceux qui veulent crier sur les toits, veulent la reconnaissance, etc., c'est des gens qui n'ont pas compris la vie. Mais plus vous comprendrez la vie, plus vous serez humble. Plus tu comprends la vie, plus tu es humble. Ça, c'est la réalité. Les vraies personnes, les vrais gens, les gens qui ont compris la vie, quelle que soit leur richesse, leur élévation, demeurent humbles parce qu'ils ont compris que ces choses-là sont éphémères. Tôt ou tard, nous allons abandonner tout ça. Donc, le trafic de destinée est une réalité. Et dans ma méditation ce matin, je suis allé dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 7. La Bible parle de l'histoire du serpent, la femme et le serpent. Vous vous souvenez, c'est une histoire célèbre dans les Saintes Écritures aujourd'hui. Ouais. Donc, il répondit, écoutez bien, écoutez bien. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils coururent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Amen. Seigneur, merci au nom souverain de Jésus. Ouvre-nous l'esprit pour comprendre ta parole. Que le trafic de destinée s'arrête au nom souverain de Jésus. Si vous connaissez quelqu'un dans votre famille
dans votre entourage qui n'arrive pas à se marier, qui n'arrive pas à guérir de sa maladie. Connaissez une famille qui est frappée par la malédiction? Cette émission est pour cette catégorie de personnes. Il y a des barrières dans votre vie spirituelle. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à réaliser. En tout cas, vous sentez que vous n'êtes pas la femme que vous devriez être. Vous sentez que vous n'êtes pas l'homme que vous devriez être. Vous n'êtes pas à votre niveau, le niveau de votre vie ici. Ce n'est pas le niveau que Dieu a réservé pour vous. S'il vous plaît, partagez cette vidéo à une telle personne pour qu'elle reçoive sa délivrance au nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le passage que nous avons lu, je vais attirer votre attention sur quelque chose, sur un fait. La Bible explique que dans le jardin d'Éden, la femme s'est approchée de l'arbre de la conscience du bien et du mal, qui était l'arbre interdit. En fait, Dieu leur avait interdit cet arbre, mais tout le reste était comestible. Et la première information que tu peux retenir déjà, c'est qu'il n'y avait pas de mauvais fruits à l'époque dans le jardin d'Éden. Il n'y avait pas de mauvais fruits. Donc, manger de tous les fruits. Or, aujourd'hui, on ne peut plus manger de tous les fruits parce qu'il y a des fruits qui sont un poison, qui mangent, ça, tu meurs. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La femme, la Bible ne nous donne pas assez de détails, mais on va faire des déductions spirituelles et intelligentes. Elle se retrouve sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous savez que dans le jardin d'Éden, c'est l'homme qui était le premier. On ne sait pas combien de temps il a fait dans le jardin avant que la femme ne fût créée. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que ce soit des années ou des centenaires, tout le temps que l'homme a passé dans le jardin d'Éden, il n'a jamais approché l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'y a jamais eu de conversation entre lui et le serpent. Il n'a jamais touché à ce fruit, il n'a jamais convoité ce fruit, tout allait bien pour lui. Tant qu'il était là, avant que la femme n'arrive, dans tous les cas, il n'avait aucun problème. L'homme vivait bien dans le jardin, il se contentait de la parole que l'Éternel lui avait donnée, il n'avait jamais désobéi à cette parole, il n'avait jamais eu l'intention de désobéir à cette parole, jusqu'à ce que sa femme arrive. Et quand la femme est arrivée, nous ne savons pas si l'homme lui a parlé, mais nous croyons en théologie, en classe de théologie, nous avons travaillé là-dedans en exégétique. Nous avons étudié cela. On a eu à raisonner en tant qu'étude de la Bible, étudiant de la Bible. Nous avions la conviction que lorsque la femme a été créée, l'homme l'a appelée, l'a fait asseoir. Et lui a dit que, ma chérie, dans le jardin-ci, vraiment, Dieu m'a interdit de manger, de toucher aux fruits de l'arbre que tu vois là-bas. Mais le reste, nous pouvons manger. Et on a cultivé le jardin. C'était le but. Ils étaient faits pour cultiver le jardin d'Éden. C'était le rôle de l'homme et de la femme. Cultiver le jardin d'Éden. Donc c'était leur responsabilité. C'était le but de leur destinée. C'était le but de la destinée de l'homme d'abord. Et la femme a été créée comme une aide pour l'homme. Ça veut dire qu'elle aussi est devenue cultivatrice. Comme l'homme était cultivateur, la femme ne pouvait pas être couturière. La femme ne pouvait pas être policière. Elle ne pouvait pas être douanière. Elle ne pouvait pas être médecin. Non. Ton mari ne peut pas être cultivateur, tu es médecin. C'est pour ça que les mariages échouent aujourd'hui. Chaque femme doit être une aide pour son mari dans la destinée que son mari lui a donnée. Et la destinée de ton mari devient ta destinée et vous portez ce que nous appelons une destinée commune. Si ton mari est cultivateur, madame, tu deviens aussi cultivatrice. Si ton mari est tailleur, tu deviens aussi tailleur. Si ton mari est chasseur, tu deviens aussi chasseuse. Donc ça, c'est, il faut que les gens comprennent cela. Dans le principe du mariage, la femme épouse la destinée de son mari et cette destinée devient commune et les deux accomplissent cette destinée que Dieu leur a donnée. Donc le but de leur mariage et de leur destinée était de rester dans le jardin, de cultiver le jardin, d'entretenir le jardin. C'était leur but. Maintenant, je te pose une question. Quel est ton but existentiel? Est-ce que tu connais le but pour lequel tu as été créé? Beaucoup de personnes, j'ai craint de dire que 99% d'hommes sur la terre ne connaissent pas pourquoi ils ont été créés. Et dans l'église, 99% des chrétiens ne connaissent pas quel est le but de leur existence, pourquoi Dieu les a appelés. Et dans le ministère, 99% des hommes de Dieu appelés ne savent pas en quoi Dieu les a appelés. Demande à un homme de Dieu, dans quel domaine Dieu vous a appelé? Est-ce que vous êtes évangéliste? Est-ce que vous êtes prophète? Est-ce que vous êtes pasteur? Non, non, beaucoup d'hommes de Dieu ne connaissent pas. Et beaucoup d'hommes sur terre ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils mènent une vie en désordre. Je me lève, je vais en boîte de nuit, je vais dans les bars, et je trouve le mari d'autrui, je prends. Tu penses que la femme qui est mariée là, elle te dépasse en quoi, madame? Elle te dépasse en quoi? Elle a deux têtes, elle a trois seins. Ou ses seins ont quatre mamelons. Non, mais il faut réfléchir. Elle s'est mariée là, elle te dépasse avec quoi? Elle te dépasse avec quoi? Le sang qui coule en elle, c'est bleu. N'est-ce pas la même chose qui est en toi? Mais il faut comprendre.
tu ne peux pas sortir avec le mari d'autrui. Madame, c'est te sous-estimer, c'est te rabaisser toi-même. C'est montrer que toi, tu es bonne pour les déchets. Tu es bonne pour le reste. Tu es bonne pour la poubelle, en fait. Elle, là, qui est dedans, là, tu penses qu'elle a fait quoi? Elle a fait la sorcellerie pour entrer là-bas. Toi aussi, tu peux te marier une belle femme comme toi. Regarde-toi toi-même. Pendant que je fais ma reine main d'avoir l'émission, arrête, arrête, mets pause. Va devant le miroir. Regarde-toi dans le miroir. Et tu reviens. Regarde-toi dans le miroir. Tu mets, je suis mariable. Mets-moi ça en commentaire. Je suis mariable. Tu n'as pas besoin d'aller être la toutou, hein, la toutou, c'est-à-dire la chienne d'un homme marié, courir après, pendant qu'il y a la reine à l'intérieur. Toi, tu joues à cache-cache. Tu n'en as pas besoin. Tu as droit à un mari, à un homme qui t'appartient. La même chose pour les hommes. Mon ami, tu as une destinée à toi. Tu n'es pas appelé à être esclave de qui que ce soit. Tu dois retrouver ta destinée. Mais si tu ne retrouves pas ta destinée, obligatoirement, tu seras soumis. Tu seras greffé au destin de ceux qui ont réussi. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dira dans Galates 4, verset 1 à 2? Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Donc tu peux avoir une grande destinée, mais tu es un esclave, tu es sous des tuteurs, tu es sous tutorat. C'est-à-dire que tu es sous tutorat de destinée, tu es soumis, tu es obligé, tu regardes telle personne, tu vas être comme 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 telle personne, tu seras toi-même quand? C'est un problème, tu seras toi-même quand? Tu es grâce, Dieu t'a béni avec, tu veux devenir mince, ou tu es mince, tu veux devenir grâce. Moi je ne sais pas dans tous les cas, c'est que je veux dire. Sois original, mon ami. N'envie personne. Si tu envies, tu commences à envier les gens, Satan va il va trafiquer ta destinée. Donc, il faut toujours te dire que l'autre là qui a réussi, il me dépasse en quoi? C'est un homme comme moi. Ce n'est pas un animal, ce n'est pas un esprit. Tant que c'est un homme, il va aux toilettes comme moi. Et quand il va, il gémit comme moi. Mon ami, laisse les apparences, ce que les Espagnols ont dit, les escaparates. Il faut laisser les apparences. Si l'autre a fait, tu peux aussi le faire. La réussite, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la magie, c'est un engagement dans ton cœur. Tu dois connaître qui tu es. Mais beaucoup de personnes passent leur vie à courir après d'autres personnes, à vouloir être comme telle ou telle personne. Tu dois tirer ton inspiration des gens, mais ne cherche pas à devenir quelqu'un, à aliéner ta destinée pour être une autre personne. Lorsque le diable voit de telles personnes, ce sont ces personnes-là que le diable trafique leur destinée. Ne vis pas la vie d'autrui. Ne vis pas une vie qui ne te sied pas. Lorsque tu veux vivre au-delà de tes moyens, lorsque tu veux vivre au-delà de tes moyens, alors c'est vrai, Satan va compromettre ta destinée. Lorsque tu veux montrer, prouver quelque chose aux gens, mon ami, tu ne vis pour prouver quoi que ce soit à personne. Je ne cherche à prouver. Alors là, j'ai un petit problème. Je crois que ce n'est pas un petit problème, c'est sérieux. Attendez voir s'il vous plaît, la batterie. Merci Jésus. Excusez-moi sincèrement. On va y aller comme ça. Là. Ok, j'enlève le micro, hein. Vous allez plus me suivre comme tout à l'heure. J'espère que ça. Donc, écoutez mes amis. Tout le monde a les germes du succès en lui. Tout le monde. Arrête de perdre confiance en toi. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Une
personne qui ne croit pas en elle-même ne peut pas réussir. Lorsqu'elle a demandé à tous les héros, à tous ceux qui ont déplacé des montagnes, ils vous diront que leur secret, c'est qu'ils ne reculent devant rien ni personne. Tant que tu es vulnérable, les gens t'empêcheront d'être la femme que Dieu a dit que tu sois, ou l'homme que Dieu a dit que tu sois. Tu dois avoir le cœur d'un lion pour réussir, parce que la vie, c'est une guerre, mes amis. Nous sommes dans un champ de bataille. Les faibles ne s'en sortent pas. Intimidé par qui que ce soit. Tu ne dois permettre à qui que ce soit de prendre le contrôle sur ta vie. Non, tu ne dois pas accepter cela. Tu es né pour réussir. Tu n'es pas né pour accomplir les desseins de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas né pour échouer. Il n'y a personne qui est né pour échouer. Nous tous, nous avons les germes du succès en nous. Dieu a des grands projets pour chaque être humain qu'il a créé et mis sur la terre. Mais les problèmes de la vie que nous rencontrons, que nous croisons, commencent à nous détourner du but existentiel de nos vies. Et ça fait que beaucoup de personnes, à partir de ce moment, beaucoup de personnes ratent leur destinée. Les problèmes commencent à venir, les montagnes commencent à venir, les défis commencent à venir, les difficultés de la vie, parfois les maladies, les problèmes de mariage, de réussite, les problèmes de carrière bien professionnelle, etc., des projets. Toutes ces choses-là, la Bible dit, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à tous vos frères dans le monde entier. Donc quand tu souffres, ne pense pas que Dieu ne t'aime pas. Au contraire, c'est un signe d'amour pour Dieu. Parce que si Dieu ne t'aime pas, il ne te fera pas souffrir. Parce que la souffrance est une école d'apprentissage, de sagesse. C'est là-bas qu'on forme les héros en fait. Tu as besoin de cela. C'est là que ta destinée sera forgée. Donc, quand il y a des problèmes, tu dois comprendre que c'est une préparation à la gloire. Chaque problème dans ta vie est un signe qu'après cela, il y a la gloire. Derrière chaque montagne, il y a une gloire. Il n'y a pas de gloire sans montagne. Donc, il faut se glorifier. Mais il faut se glorifier des défis. Tu dois aimer les défis. J'ai dit parfois que moi je prie lorsque je me rends compte que ma vie n'a plus de combat. Je prie pour les combats. Je prends plaisir dans les guerres. Je prends plaisir dans l'adversité. Je prends plaisir dans les inimitiés. Mes ennemis sont d'une utilité capitalissime pour ma vie. Sans mes ennemis, je ne peux pas vivre. Ôtez-moi mes ennemis, je meurs. Pourquoi? Parce que quand je sais qu'il y a des ennemis, mon ami, je sais qu'il y a un défi devant moi. Et j'aime les défis. J'aime les défis. Tout héros a forgé son héroïsme sur ses ennemis. Il n'y a pas de héros sans inimitié. Ce n'est pas possible, mes amis. Mais si vous voyez mal vos problèmes, vous regardez à vos difficultés, à chaque problème, tu dois dire qu'il y a une solution. Tu dois prendre ça. Enlève tes yeux sur le problème, mets tes yeux sur la solution qui est Jésus-Christ et confesse en toi-même, demain ça ira, demain je m'en sortirai, demain sera beau. Dis-le-toi. C'est-à-dire que répète-le à toi-même tous les jours de ta vie. Ne te laisse jamais décourager. En tout cas, le mot découragement ne doit même pas exister dans le dictionnaire et le lexique de ta destinée. Il y a des mots que tu dois effacer comme échec. Moi, pour faire Ferdinand et Canet, je ne crois pas en l'échec. Je ne crois pas qu'on échoue pas avec Dieu, mes amis. On n'échoue pas avec Dieu. Je ne crois pas en l'échec. Je ne crois pas que je suis né pour accompagner qui que ce soit bien pour fonctionner sous l'ombrage de quelqu'un. Voilà pourquoi il y a ce que j'appelle le principe de l'indépendance. Je n'accepte que personne ne me subjugue. Qui que tu sois, je ne te permets pas de me subjuguer. C'est-à-dire que j'ai dit que dans le principe de l'amitié, il y a la mutualité du respect. Le respect doit être mutuel. Je suis une entité indépendante. Je suis une entité entière. Donc je ne me laisse influencer par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Et j'ai dit plusieurs fois que dans toutes les réalisations que j'ai faites jusqu'à cet âge, dans le ministère, je ne dois rien à personne. Je ne me suis jamais endetté. Je n'ai jamais pris de dette dans une banque pour réaliser quoi que ce soit. J'ai toujours fait toutes choses par autonomie. Pourquoi? Parce que je crois que Dieu a assez de ressources pour me permettre d'accomplir ma vie et de mener ma vie tranquillement jusqu'à ma mort. Je crois en cela. Donc, à cause de ça, Satan ne peut pas trafiquer ma destinée. Ce n'est pas possible. Donc, dans l'histoire du jardin d'Éden, dont nous avons parlé en incipit, vous savez, la Bible explique que la femme a causé avec le serpent. Et causé avec le serpent. Le but du serpent, c'était quoi? Il était jaloux de voir que le gouvernement de la terre a été donné à l'homme et à sa femme. À chaque fois que Dieu a de grands projets pour toi, sache que le diable aura aussi de très grands projets pour toi. À chaque fois que Dieu va te bénir, sache que le diable cherchera à te maudire. À chaque fois que Dieu te lèvera, sache que le diable fera tout pour te renverser.
Donc, cette dualité-là, nous devons comprendre que nous vivons dedans. Cet oxymoron de destinée, il faut en être conscient et parfaitement conscient. Donc, je dois être conscient de ces choses-là. À chaque fois que Dieu veut m'élever, je dois comprendre qu'il y aura des facteurs négatifs et maléfiques qui chercheront à me renverser. Et je dois faire attention. Par conséquent, je dois me préparer à la guerre. Je dois être guéri. Les faibles ne s'en sortent pas dans cette vie. Je répète, si vous êtes faible, vous ne vous en sortirez pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable, comme étant un général, un ancien général de l'armée de Dieu et un géostratège militairement parlant, il va se rendre compte que la femme est le maillon faible. Ô femme, je prie que tu ne sois point le maillon faible de ton mari. Il y a des hommes de Dieu, leur église sont tombés à cause de leur femme. C'est dangereux lorsqu'un homme de Dieu épouse une femme qui a la mentalité de Ève. Une femme qui, au lieu d'être une force pour son mari, est plutôt un maillon faible, une malédiction pour lui. Il y a des hommes, c'est-à-dire quand ta femme a la mentalité de Ève, monsieur, ta carrière va tomber, tes affaires vont tomber. Prenez une mauvaise femme et greffez-la à un homme qui soit un millionnaire ou un milliardaire. Elle va ruiner son mari par ses mauvaises décisions, ses mauvais choix. Elle va ruiner son mari. Elle sera en train de dilapider, elle va dilapider les biens et la richesse de son mari à la fin. Le monsieur riche va devenir pauvre. Prenez une femme insensée. Donnez-la à un homme de Dieu ou un. L'onction de cet homme de Dieu ne servira à rien. Cette femme va détruire son ministère par ses égarements de caractère. C'est cela que parfois vous allez voir que la femme d'un homme de Dieu, elle lutte et bagarre en pleine église. Ou elle se lève et insulte son mari en pleine église. Ou elle expose les problèmes de son foyer en pleine église. Mon ami, ton ministère ne peut pas subsister si tu es marié à la mauvaise femme, si ta femme a la mentalité d'Ève. Donc, elle va enclencher et déclencher une conversation avec le diable que son mari n'a jamais eue. Elle va dans un domaine où elle n'a jamais vu son mari. Pourtant, une bonne femme, elle fait ce qu'elle voit faire son mari. Elle devrait être derrière son mari. Elle devrait être imitatrice, aide de son mari et non pas prendre la tête. À chaque fois que dans la société, du couple ou dans le ministère, la femme veut prendre la tête, ce qui est arrivé au Adam et Ève là, dans le jardin d'Éden va aussi arriver. C'est la même chose aujourd'hui. La femme n'est pas faite pour être la tête, elle est faite pour être une aide. Et l'homme n'est pas fait pour être un bourreau, mais un chef, un bon chef en plus. Donc vous voyez que la femme va donc prendre du fruit dans sa conversation avec le diable. Elle va en manger. Elle en gardera pour son mari, on ne sait pas quelle quantité. Elle a mangé, mais dans tous les cas, considérons même que ce n'était qu'un seul fruit. Elle a pris, elle a mangé. Et la Bible dit qu'elle a donné à son mari qui se trouvait derrière elle. Mais, quand nous étions en classe de théologie, nous n'étions pas d'accord sur un point dans ce verset biblique. Et je veux essayer de vous faire comprendre cela. Lorsque la Bible dit que la femme, l'homme était après elle, l'homme était derrière elle, moi j'étais du groupe des étudiants qui pensent que l'homme n'a pas été témoin de ce qui s'est passé entre la femme et le serpent. Parce qu'il y en a qui pensaient que l'homme était témoin, mais je ne pense pas. Je vais vous dire pourquoi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que si l'homme n'avait jamais posé avec le serpent, et le serpent évitait l'homme, c'est parce qu'il savait qu'avec l'homme, la conversation était impossible. L'homme allait le réprimander, le réprimer. Parce qu'un animal n'était pas fait pour parler. Et je vais dire à ceux qui doutent de ce passage de la Bible disant que c'est un passage allégorique, qu'un serpent ne peut pas parler. N'oubliez jamais que le perroquet parle. Les perroquets parlent dans plusieurs langues. Les perroquets parlent français, anglais, espagnol, etc. Et maîtrisent parfois certaines langues plus que nous les humains. Donc si tu doutes que le serpent parle ou bien que l'âne a parlé dans la Bible, Dieu fait parler le perroquet, c'est-à-dire qu'il peut faire parler n'importe quel animal. Donc, nous croyons que l'homme n'était pas là. Il est arrivé quand la conversation s'était arrêtée et il ne savait pas ce qui s'est passé. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Parce que s'il savait que le serpent était en train de parler avec la femme, il dirait à sa femme, il prendrait la main de la femme pour dire, ok, allons-nous-en. Ne parle pas avec lui. Ça ne se fait pas, c'est interdit dans ce jardin. Mais il s'est fié en ce que sa femme lui a dit. La femme a fait confiance au serpent, l'homme a fait confiance à la femme. Pourquoi je dis cela? Relisez maintenant en bas, lorsque Dieu demande à la femme, pourquoi tu l'as fait? La femme répond que le serpent m'a séduit, m'a séduite. Et puis, Dieu demande à l'homme, pourquoi tu l'as fait? Non, il demande d'abord à l'homme, pourquoi tu l'as fait? Il dit la femme, il ne dit pas le serpent.
D'un des fois courant de ce qui s'est passé avec le serpent. Il n'en a pas été témoin en réalité. Il ne dit pas le serpent. Parce que c'était le serpent, parce qu'il a dit la vérité selon son cœur à Dieu. Il a dit c'est la femme. La femme que tu m'as donnée, elle m'a séduite. Je l'ai écoutée. Et c'est dangereux lorsque tu écoutes ton mari plus que Dieu. C'est dangereux dans le mariage lorsqu'un homme écoute sa femme plus que Dieu. Tu ne dois pas aimer ton mari plus que tu aimes ton créateur. Tu ne dois pas aimer ta femme plus que tu n'aimes ton créateur. L'amour de Dieu doit être suprême. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton affection. Donc, l'homme accuse la femme parce qu'il dit la vérité. Il n'a pas été témoin de la conversation entre la femme et le serpent. Il est arrivé, il a trouvé la femme en train de manger un fruit. Et c'est sûr que quand le serpent a vu l'homme en train de s'approcher, il a disparu dans l'arbre, il n'a plus parlé, il n'a plus fait la parole. Et l'homme et le serpent n'ont pas eu de conversation. La conversation avec le serpent, c'est entre la femme et le serpent. Voilà pourquoi Dieu va demander à l'homme, et l'homme va lui dire la vérité. Que la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné le fruit. Elle m'a convaincu, comme c'est ma femme, comme je l'aime. Mon ami, tu ne dois pas aimer ton mari jusqu'à pécher ou aimer ta femme jusqu'à pécher. On doit rectifier ces erreurs-là. Donc, il va demander à la femme, et ton tour, pourquoi tu as fait ça à ton mari? La femme va répondre que c'est le serpent, et c'est la vérité aussi. Elle a causé avec le serpent. L'homme a causé avec la femme a causé avec le serpent. Et donc, Dieu ne demande pas au serpent pourquoi tu as fait ça. Parce que l'homme, la femme a été séduite. L'homme a été séduit. Personne n'a séduit le serpent. Parce qu'il était l'incarnation du mal lui-même. Donc, voilà pourquoi la sentence est sortie sur le serpent directement. Et puis, ça a suivi sur l'homme et la femme. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Le diable a réussi à trafiquer la destinée d'Adam et de Ève. Le but du diable, c'était quoi? Sa mission, c'était quoi? Que l'homme et la femme soient expulsés de leur destinée. Leur destinée, c'était de garder et de cultiver le jardin d'Éden et d'y vivre jusqu'à pour l'éternité. Sont-ils demeurés dans le jardin? Non. Ont-ils continué à cultiver le jardin? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, le diable a réussi à trafiquer leur destinée, à les sortir des projets de Dieu pour eux, pour les faire entrer dans les projets qu'il avait pour eux. La souffrance, la mort, la misère, la haine, le meurtre, l'adultère, le péché, les souillures, l'ignominie, etc., etc. Et à partir de ce moment, les choses que Dieu n'avait pas prévues dans la vie d'Adam et Ève ont commencé à leur arriver, comme la mort, la maladie, la haine, les meurtres, les divisions, etc., les guerres, etc. Ces choses n'étaient pas prévues. L'homme et la femme étaient faits pour vivre éternellement. Ont-ils vécu éternellement? Non. L'homme et la femme étaient faits pour vivre et cultiver le jardin. Ont-ils continué à cultiver le jardin? Non, ça s'est arrêté. L'homme et la femme ont été faits pour vivre dans le jardin. Ont-ils vécu toujours dans le jardin? Non, ils en ont été expulsés. En ce moment, on dit que le diable a réussi à trafiquer le destin. Donc le trafic de destinée consiste en ceci que le diable t'arrache des plans de Dieu pour toi et il te place dans un lieu de souffrance. Il te place dans un lieu de blessure, de déception. C'est pour ça que beaucoup de personnes, en tout cas, tu n'as pas de bonheur jusqu'à ce que tu retrouves ta place, ton jardin d'Éden. Tant que tu n'as pas retrouvé ton jardin d'Éden, tu n'auras pas la paix dans ton cœur. Tu n'auras pas de stabilité. Il n'y aura pas de bonheur pour toi. Ce n'est pas possible. Le bonheur se trouve dans la place que Dieu a réservée pour toi. Dès que tu retrouves ton jardin d'Éden, tu vas sentir que tout va dans ta vie. Tout réussit. Tout réussit. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui s'assied en compagnie des pécheurs, des moqueurs, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se fleurit point, de point tout ce qu'il fait lui réussit. Donc ça veut dire que lorsque tu as retrouvé ta destinée, tout ce que tu fais réussir, il y a le succès, il y a la prospérité, il y a la joie, il y a le bonheur, etc. Mais tant que tu n'es pas à ta place, tu ne seras jamais heureux. Maintenant, il faut comprendre que dans le domaine marital, par exemple, et sentimental, tu peux te marier à un homme qui n'est pas ton mari, tu peux épouser une femme qui n'est pas ta femme. C'est la réalité. C'est ce qu'on appelle les accidents de destinée. Et lorsque tu te maries à quelqu'un qui n'est pas ton partenaire, mon ami, tu vas souffrir l'enfer. C'est l'enfer. C'est ça que vous voyez les gens se marier, et puis après, les gens, tu ne reconnais plus la personne. Elle commence à maigrir, elle est allaidie, tu ne la reconnais plus. Dans tous les cas, quand tu la vois, c'est la souffrance, la misère, tu as pitié d'elle. Or, le mariage, normalement, doit être, c'est une occasion de bonheur, de célébration. Quelque chose qui vient accomplir ta destinée, faire de toi une personne accomplie. En réalité, c'est ça. C'est comme ça que ça devrait être. Mais cependant, lorsque tu te maries à la mauvaise personne, c'est foutu.
C'est foutu. Les accidents de destinée sont une réalité et font partie du trafic de destinée. Ça veut dire quoi? Vous savez, chez nous, quand tu épouses une femme ou un homme, on dit Tinde Mondo Yadi. A te va te Tinde Mondo Yadi. Il faut d'abord regarder si vos fronts se marient. Vérifie d'abord si vos fronts se marient. Pour connaître que tu t'es marié à une mauvaise personne et qui a eu trafic de destinée. Quand tu épouses un homme, tu te prospères, madame. Et dès que tu es entré dans ton foyer, tes affaires meurent. C'est-à-dire que tu t'es marié à la mauvaise personne. Si tu étais un homme, tu étais prospère, tout ce que tu entreprenais réussissait. Maintenant, tu épouses une femme. Depuis que tu as rencontré la femme là, depuis les fiancés, mais déjà, tes boutiques sont en train de fermer, tes affaires sont en train de dégringoler. Ça veut dire que c'est une mauvaise personne, c'est une mauvaise association. Fais attention, tu es en train de mettre les pas sur le chemin du trafic de destinée. Une personne qui n'est pas pour ta destinée viendra détruire ta vie. Elle va ruiner ta vie. Mais les bonnes personnes qui sont pour ta destinée, lorsque tu permets à ces personnes d'entrer dans ta vie, tu vas réussir, tu vas voir que tout réussit. Ces personnes sont une bénédiction pour toi. Elles augmentent la vitesse de ta destinée, l'accomplissement de ta destinée, etc., etc. Mais toute personne qui ralentit ta vie, qui apporte l'amertume dans ta vie, la souffrance, la désolation, en fait, n'est pas une bonne personne pour ta vie et ta destinée. Il faut faire attention. Les associations doivent être prises avec des pincettes. C'est pour cela que vous devez comprendre que dans la vie, vous devez avoir des principes. Si vous n'avez pas de principes, vous ne réussirez pas dans cette vie. Vous devez avoir des principes. Je vous exhorte à avoir des principes. Ne laisse pas les gens entrer dans ta vie n'importe comment. Fais attention à ta vie. Comprends que ta vie est unique. Après, il n'y a plus une autre vie. Elle est unique. Et chéris ta vie. Chéris ta vie. Ne sois pas une femme légère. Ne sois pas un homme léger. Il faut faire attention. Et je veux parler à ceux qui pensent qu'ils mènent une belle vie. J'ai brillante vie en couchant avec les femmes en désordre. En couchant avec cette femme, tu couches avec des succubes et des incubes. Tu couches avec des démons venus sous des formes humaines. C'est aussi pour cela que tu vas te rendre compte qu'à la fin, ta vie n'a aucun sens. Tu n'as rien fait avec l'argent là. Ta vie est sous la malédiction. Après, tu pleures. Quand tu es seul, tu pleures la misère de ta vie. Tu couches avec tel homme, tu couches avec telle femme. Et tu penses que tu mènes une belle vie. Mon ami, la belle vie se trouve dans la propreté de vie. Il y a ce qu'on appelle la propreté de vie. La propreté de vie. La propreté de vie, c'est quoi? C'est lorsque tu mènes ta vie en connaissance de cause, avec bonne conscience. Tu es pur. Et je disais à quelqu'un que on ne peut pas demander à un enfant de Dieu de se sanctifier. Parce que la sanctification est notre mode de vie. C'est notre oxygène. Donc ta vie doit être propre. Ces choses-là vont t'éloigner du trafic de destinée. Parce que le trafic de destinée peut venir, je vous ai expliqué, soit par des circonstances ou par des hommes. C'est les événements, les circonstances ou les hommes. Tu peux te retrouver dans une situation et ta destinée est trafiquée, par exemple. Tu peux rencontrer quelqu'un et ta destinée déraille, elle dérape. Oui, il y a même des amitiés. C'est-à-dire qu'à la fin de l'amitié, tu es défiguré, ta destinée est défigurée. C'est cela que l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, verset 33 dira, les mauvaises compagnies auront les bonnes mœurs. Il faut faire attention même aux gens à qui nous nous associons. Même dans l'amitié, tu dois être sélectif et rigoureux envers ta vie. Tu es ta vie sentimentale. Ce n'est pas la première personne qui vient t'appeler bébé chéri, tu as écarté les jambes. Chéri Coco, tu es déjà au troisième nuage. Bébé, je vais t'épouser. Tu lui écartes toutes tes jambes. Tu écartes les cuisses et les jambes et les avant-jambes, je ne sais pas si elles agissent. Il faut faire attention. Quand quelqu'un entre dans ta vie, tu dois examiner la personne. Prends le temps, ne te précipite pas. Je sais qu'il y a carence maritale. Il y a une crise économique, sentimentale dehors. Il y a une crise de mariage dans l'église. C'est-à-dire, vous trouvez des hommes qui veulent se marier aujourd'hui, c'est rare. Parce que le mariage, c'est le sens même de la responsabilité. Les hommes ont tellement de femmes dehors là-bas qu'en réalité, se marier n'a plus d'importance. S'il veut coucher avec une femme, il y en a. Il veut une femme pour laver ses habits, il y en a. Une femme pour lui faire la cuisine, il y en a. Donc, tout ce que le mariage peut apporter. Les hommes ont ça, les femmes, c'est même vous-même qui avez gâté vos vies. Après, on dit que nous, on a bloqué nos vies, on a bloqué quoi? Vous-même, vous avez bloqué. Toi, tu as le cadenas avec lequel, la clé avec laquelle tu as bloqué ta vie. Pourquoi? Parce que si tu donnes à un homme tout ce dont il a besoin, à moins que ce soit vraiment un homme sérieux, il va te marier encore. Pourquoi? Il va t'épouser pourquoi? Il a tout. La sardine, il a. Le poisson braisé, il a. Tout ce qu'il veut, même la bouillie d'arachide qu'il veut, tu lui donnes. Mais il va encore t'épouser comment? À moins que ce soit un homme d'une certaine valeur. Donc, les hommes ont tout. C'est que le mariage, oh, c'est plus comme avant.
où le mariage était sacré, tout le monde, tous les hommes voulaient se marier pour avoir les bénéfices du mariage. Maintenant, tout ça, c'est dehors. C'est en agogo, dehors, là-bas. Et c'est vous-même, les femmes, qui avez gâté vos vies, vos mariages. C'est vous-même qui avez hypothéqué toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que vous avez perdu la dignité. Les femmes qui ont la dignité sont rares aujourd'hui. Cette dignité, elle est importante, en fait. Il faut la préserver, il faut se battre pour que ta dignité soit respectée. Il faut aussi comprendre une chose. Les femmes, quand vous êtes une femme légère, un homme qui est un homme de valeur ne peut pas vous épouser. Il ne vous épousera pas. Pourquoi? Parce qu'il va se dire que non, la femme c'est trop légère, si je l'épouse, certainement il va me tromper. La même chose pour les hommes. Quand tu as une femme de valeur et que tu es un homme léger, la femme ne peut pas t'accepter parce qu'elle dira, vraiment, mes valeurs seront gaspillées. Cet homme ne me sera pas sérieux. Donc, en tant que femme, si tu veux te marier, la première des choses que tu dois d'abord faire, il faut retrouver ta valeur en tant que femme. Et l'homme doit aussi retrouver sa valeur en tant qu'homme. Si par le passé, tu as été une femme sans valeur, aujourd'hui, tu peux devenir une femme avec valeur. Si hier, tu étais un homme sans valeur, qu'est-ce que j'appelle un homme sans valeur? C'est un homme qui vit sans scrupule. C'est un homme qui mène une vie de désordre sexuel, une vie de débauche. C'est-à-dire qu'une vie de désordre, en tous les cas, un homme qui mène une vie indisciplinée, et c'est la même chose pour la femme. Tu es dans les boîtes de nuit tous les jours. Tu montes avec X, tu descends avec Y. Tu penses quel homme va aller t'épouser? Il est malade ou quoi? Tu penses qu'il a la malaria ou bien c'est le quoi? Ou bien le beriberi qu'il a? Même s'il est fou, il ne va pas. C'est pas possible, mes amis. Aucun homme ne souhaiterait épouser une femme qui va coucher avec d'autres hommes. Aucune femme sérieuse n'aimerait épouser un homme qui va demain coucher avec d'autres femmes. Donc, il faut te battre pour donner une valeur à ta vie. C'est-à-dire, résolument, il faut que tu y parviennes. C'est très important. C'est très important. Donc, le trafic de destinée vient. La Bible dit que nous sommes tentés lorsque nos passions commencent à se manifester. Le diable n'est pas omniscient comme Dieu. C'est-à-dire que le diable ne peut pas connaître tes pensées. Ce n'est pas possible. Le diable dévie nos pensées par nos actions. Donc, si le diable se rend compte que tu es une femme qui va toujours dehors, ou bien un homme qui va dehors, mon ami, tu es fini, tu es foutu. Tu es foutu. Et quelqu'un m'a posé la question hier, que, mais les histoires de couches de nuit, de poison de nuit, couches de nuit, les femmes de nuit, les incubes et les succubes là, on les attrape même où? Je lui ai dit que c'est dans la vie de saleté. C'est dans les boîtes de nuit où vous aimez aller là. C'est là-bas qu'il y a les démons. Là-bas tout peut arriver. Toutes les MST, les maladies spirituellement transmissibles, tu les auras là-bas. Les couches de nuit là, c'est dans cette vie là. Dans la vie de péché, la vie de souillure, la vie de désordre, c'est elle. Les beuveries, l'alcoolisme, le tabagisme, la drogue, le whisky, le chanvre indien, les boîtes de nuit, la vie des femmes, la vie des hommes, monter, descendre, coucher à gauche, à droite. Ces choses-là ouvrent ta vie à la malédiction et ce sont ces choses-là qui font que les démons ont droit sur ta vie. Mais une personne qui s'efforce à s'éloigner de ces choses, Satan n'a pas de droit de cité sur sa vie et le trafic de destinée ne peut pas l'atteindre. Ce n'est pas possible en réalité. Donc le plus souvent, il faut comprendre que lorsque dans ta maison, dans votre maison, vous avez des mouches, vous avez la viande pourrie dans la maison. Prenons cette allégorie-là. Vous avez la viande pourrie à la maison. Et il y aura des mouches, il y aura plein de mouches dans ta maison, plein de mouches. Elles te laisseront pas tranquille. Donc n'essaye pas de tuer les mouches, parce que ça ne servira à rien. D'autres mouches viendront. Est-ce que les hommes sérieux existent encore, papa? Quel que soit ce que tu fais pour un homme, aujourd'hui, il s'en fout. La question qu'il fallait d'abord poser, c'est est-ce que les femmes sérieuses existent encore aujourd'hui, papa? Ça, c'est important aussi. Il faut poser cette question-là. Pose-toi la question d'abord, est-ce que moi, je suis sérieuse en tant que femme? Est-ce que vous êtes sérieuse? Pose-toi la question. Moi, j'ai dit sur le téléphone, on doit faire attention à ça. C'est dangereux, l'affaire-ci. Beaucoup d'enfants de Dieu iront en enfer pour ça. Beaucoup de destinées sont trafiquées par ça. Oui, ça là, il faut faire attention à ça. Méfie-toi de ton téléphone. Beaucoup de mariages sont détruits à cause de téléphone. Beaucoup. Le jour où tu as... Voilà, j'aime le commentaire-ci. Ça c'est Yelegui Octavie. Une fois que tu arrêtes toutes ces choses, tout s'arrête aussi. Ça c'est clair. Quand tu sors de la mauvaise vie, toutes ces choses-là s'arrêtent, Satan s'en va. Donc les gens qui cherchent la délivrance, « Oh, papa, délivre-moi, je suis bloqué, je n'arrive pas, le célibat va me tuer, aucun homme ne me voit, ne me cible même pas. Oui, ma vie, c'est que les hommes mariés qui me cherchent. Toi, tu cherches qui? Makana, tu cherches qui?
Toi-même, tu cherches qui? Regarde ta vie dehors. Quand on parle comme ça là, tu es derrière les hommes dehors, on te siffle, tu ne peux même pas résister. Faut faire attention, mes amis. Faut faire attention. Donc, il faut mettre la discipline dans sa vie. Cette mauvaise vie ouvre la porte aux esprits impurs, au trafic de destinée. Et alors, automatiquement, le diable va t'arracher de ton jardin d'Éden. Le diable t'arrachera de ton jardin d'Éden. Et tu vas te retrouver dehors, à souffrir. Et ta vie deviendra une vie d'esclavage. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'as pas respecté les règles de ton jardin d'Éden. Donc, il est temps qu'on soit sérieux. Fille de Sion, soupire, moi, je suis sérieuse. Lumière, Simon, Judas. C'est vrai, papa, il y en a. Vous avez... Ok, d'accord. Voilà, donc il faut d'abord que tu sois sérieux. Ne dis pas, je vais marier sérieux. Toi-même, tu es sérieuse. Oh, moi, je vais un homme sérieux. Est-ce que toi, tu es sérieuse? Je vais une femme sérieuse. Est-ce que toi qui es homme d'abord, est-ce que tu es sérieux? Il faut faire attention. Donc, le trafic de destinée est favorisé par la mauvaise vie, la vie du désordre. Oh, je veux la délivrance, je veux la délivrance. Oh, ça ne va pas, je suis bloqué à gauche, à droite. En fait, quelle vie tu mènes? Le genre de vie que tu mènes, c'est ça qui fait que tu es bloqué ou bien débloqué. Donc, ton blocage ou ton déblocage vient d'abord de la discipline dans ta vie. Tu ne dois pas donner ton numéro de téléphone à n'importe qui. Règle numéro 1. Les femmes, notez ça. Notez ça rapidement. Où sont les femmes? Où sont les femmes? Taguez-moi vos amis. Envoyez-moi le lien ici à vos amis. Tu ne dois pas, madame, tu ne donnes pas ton numéro de téléphone à n'importe qui. Parfois, on ne t'a même pas demandé que tu as attendu le téléphone. Chef, entre you. Quelqu'un voulait me demander que, pardon, le carrefour au Billy, c'est où? Tu lui dis là que 699. C'est un problème sérieux, mes amis. Hein? Dis, il est temps que je sois sérieuse. Moindre chose. On te drague, toi, tu ne résistes jamais. Oui. Dans le lexique de ta vie, il n'y a pas de nom commun. Donne-toi de la valeur. Tu sais que les hommes aiment les femmes qui leur résistent. Oh. Les femmes. Les femmes, les hommes. Ça veut dire que quand un homme souffre après toi, il court après toi là. Le gars court après toi, il court, il souffre. Il souffre, pour ta voix là. Ah non, 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 non. Là, il connaît que la femme, si, je ne peux pas m'amuser avec elle. Parce que si moi qui t'aime, qui veux te marier, je veux les rapports sexuels avec toi, tu refuses. Mon ami, mais c'est une grosse garantie. Mais ce n'est pas 100%, mais quand même, c'est déjà une grosse garantie que la femme, si, je peux voyager, je la laisse seule, elle ne me trahira pas. La même chose pour une femme. Qui aime un homme, elle se rend compte que le monsieur, si je veux des rapports sexuels, il refuse. Mais mon ami, c'est une grande assurance. Tu comprends que ça, c'est un homme. Ça, c'est un vrai homme. Donc, je peux le laisser là, je voyage. Si à moi-même, moi qu'il aime, qui veut épouser, il refuse d'avoir des rapports sexuels, il me résiste. Avant pas de raison, une fille quelconque. C'est une grande assurance, mes amis. C'est une grande assurance. Mais si c'est le contraire. Tu couches avec elle, tu couches avec elle, tu dis que tu mets la belle vie, tu roules dans des grosses voitures, etc. On va voir la fin, non? À la fin, c'est les grosses voitures là qui vont rouler sur toi. Allez dans les hôpitaux, allez là-bas. Allez voir les femmes qui ont mené la mauvaise vie. Allez voir les hommes qui mènent la mauvaise vie. D'autres rongés par le VIH, par des maladies bizarres. Parce qu'il y a une conséquence pour cette mauvaise vie, mes amis. Et regardez, le diable pour t'enlever de ta destinée, pourtant tu devais être tranquillement, tranquille dans la maison de ton Dieu, à te servir Dieu. Prenez mon exemple. Je sers le Seigneur depuis ma jeunesse. Depuis 16 ans, l'âge de 16 ans. 16 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je ne vais pas en boîte de nuit. Je ne bois pas. Je ne fume pas. Je ne cours pas après les prostituées. Je mène ma vie tranquillement, tranquille. Mon ami, je suis en santé. Je suis en santé. Les commandements de Dieu, c'est d'abord pour ta santé, ta sécurité d'abord. Ceux qui boivent et fument, ils pensent qu'ils mènent une bonne vie. Cancer du foie, après. Cancer du poumon. Ils payent. C'est à la fin que tu te rends compte que le diable, en réalité, est en train de te piéger. Hein? Quand la femme a vu le fruit, c'était agréable. Elle pouvait se vanter du fruit. Mais quand elle a mangé, c'était le poison. Le péché est toujours agréable à la vue. Mais ses conséquences sont amères. Comme le fruit de l'arbre défendu. L'arbre connaissant du bien et du mal. Donc c'est ça que les gens doivent comprendre, mes amis. Tu dois donner un sens à ta vie. Si tu ne donnes pas un sens à ta vie, le diable donnera, t'aidera à trouver un sens à ta vie. Apprends à dire non. Connais la direction de ta vie. Tu peux rencontrer un homme. Il est beau.
il est riche, il a tout ce dont tu as besoin. Et tu es avec un autre homme qui n'a pas les moyens. Mais tu es heureuse avec lui, tu sens que ta destinée devant Dieu est accomplie avec cet homme. Madame, dis non. La Bible dit que c'est un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Ça te servira à quoi? De tromper ton mari, ton petit mari, avec cet homme-là, parce qu'il a l'argent. Après, il va te larguer devant. Il ne t'épousera pas. La même chose, Dieu te donne ta petite femme qui t'aime. Elle est avec toi. Et puis, il y a une michetonneuse qui vient là dehors. Elle arrive avec l'argent, elle demande pompeuse, etc. Elle veut séduire ton cœur. Et tu regardes, tu dis, ah, celle-ci-là, elle ne me donne rien à la maison. Je veux suivre celle-là parce que elle, je veux gagner telle chose. Mon ami, c'est que tu ne connais pas qui tu es. Ceux qui connaissent leur identité ne se laissent pas séduire ni par l'argent, ni par la beauté, ni par quoi que ce soit, ni par la notoriété, ni par la gloire. Je préfère, la Bible dit, je préfère manger les légumes sans viande et être en paix que de manger la viande et être troublé. Je préfère mener ma petite vie avec ma petite femme, mon petit mari, dans la paix. Nous accomplissons notre destinée devant l'Éternel. Nous ne mourrons pas au ciel que de poursuivre les incirconcis avec leur richesse, avec leur argent, parfois même satanique. Qui va même sacrifier mon âme au diable et à la fin être perdant. J'ai perdu la vie éternelle et en enfer, j'ai une élévation. Il faut que les gens comprennent cela. Donc, donne une discipline à ta vie. C'est ça que j'ai l'habitude de dire que sois humble, sois simple. Moi, c'est des choses que j'apprends et je me gère à ces choses. Être simple, je suis humble et ça c'est important, mais je sais qui je suis, je sais où je vais. Je n'ai pas besoin d'un conseiller, d'un orientateur. L'Esprit de Dieu me guide déjà. Et puis, je connais ma valeur. Donc, si tu m'imposes ce qui n'est pas dans mes conditions, je te résiste. Je te dis non, ce n'est pas possible en réalité. Je te dis non, je refuse. Et c'est où beaucoup de personnes ne me comprennent pas. Beaucoup de personnes ne me saisissent pas là-bas. Je suis prêt à mourir pour les frères. Mais on ne peut pas me détourner de ma destinée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas me télécommander. On ne peut pas me téléguider. Ce n'est pas possible. Quand tu essaies de côté là, tu vas te rendre compte que non, en fait, l'homme, si, ça va, il y a un roc en lui. Donc, je n'admets pas cela. Je sais où je vais, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais ce que Dieu m'a dit et je sais ce que je vais accomplir. Donc je ne me laisse pas influencer, ni intimider, non, ni manipuler par qui que ce soit. Non mes amis, je suis une entité libre, une entité autonome. Et cette autonomie, je suis jaloux de cette autonomie. Pourquoi? Parce que je sais où je vais. Donc on ne peut pas m'éblouir, on ne m'éblouit pas avec l'argent. Voilà pourquoi vous allez remarquer, à l'église, vous pouvez être milliardaire ou millionnaire, je ne m'attacherai jamais à vous. Pourquoi? Parce que j'ai toujours appris à l'église que dans l'église, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits. Christ est tout en tous. Il n'y a pas de riches ou bien de pauvres. Nous venons là-bas, ce n'est pas pour montrer quoi que ce soit. C'est Jésus. Et personne dans mon ministère ne peut dire que le révérend prophète Ekan est venu me demander l'argent. Personne ne peut dire ça. Je n'ai jamais fait ça. Ou emprunter l'argent à quelqu'un. Je n'ai jamais fait ça. Je donne, mais je n'ai jamais demandé. Je n'ai jamais demandé. Pourquoi? Parce que je connais ma valeur. Je préserve ma dignité. Beaucoup de personnes ont perdu ce qu'on appelle la dignité. Madame, où est ta dignité? Monsieur, où est ta dignité? Pour l'argent, tu es prête à te comporter comme une chienne. Tu n'es plus une humaine. C'est-à-dire que si il faut que les gens couchent avec toi pour l'argent, tu n'es plus une femme. Tu n'es pas une femme. La femme, c'est la dignité, mon ami. La dignité. Tu n'es plus une femme. Tu n'es pas une femme. Tu as une chose. Et les hommes seront donc prêts de te traiter comme ils veulent. Parce que tu as leur argent, ils te payent. Et c'est, il n'y a rien de plus dégradant pour une femme que lorsqu'elle est chosifiée par les hommes. Madame, vaut mieux que tu marches nue, sans caleçon, mais avec ta dignité, que de porter de beaux vêtements, rouler dans des voitures que les hommes t'ont fait acheter avec les porta-porti. Ou c'est les porti-porta. C'est porta-porti. Porti-porta. Non! Ça te sert à quoi d'aller? On te fait la partout là-bas, on t'enfonce des choses dans les orifices, on te fait coucher avec des chiens, on te fait faire des choses horribles. Tu te trouves à te faire des choses horribles. Après, pour avoir 100 000, 1 million, 5 millions, même si c'est 30 millions qu'on t'a donné. Et c'est ta dignité vaut cette somme. Et c'est ta dignité vaut l'argent. On ne paye pas la dignité. On n'achète pas la dignité, mes amis. On n'achète pas la dignité. Donc, je préfère. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a des hommes dignes, hein? Il y a des femmes dignes. Je crois en ça. Il y a des hommes dignes, il y a des femmes dignes. Il y a des gens. Mets l'argent comme tu veux. Elle ne va jamais te laisser voir sa nudité. Il y a des hommes. Mets le montant que tu veux. Tu ne verras jamais sa nudité. Ce n'est pas possible.
Donc c'est ça qui est important. Et cette dignité, elle te préservera du trafic de destinée. Parce que c'est quand le diable voit que ton cœur est amorcé par certaines choses, qu'il te tente là-dedans, tu tombes et ta destinée est perdue. À l'époque, quand mon ami vivait, il y a eu des dames, des femmes qui ont voulu que je l'abandonne. Pour elles, des femmes riches, des femmes qui avaient des moyens, des milliardaires. Ah, des milliardaires, mes amis. Toi, tu es là avec tes 500, tu crois que tu es riche. On voit même les 500, même c'est les Nera et les Kobo que tu as en main. Tu dis que non, tu es très riche. Des femmes riches qui me disaient vraiment, il faut laisser. Laisse-la, moi, tout ce que j'ai là, c'est pour toi. Tout ce que j'ai, c'est pour toi. Et je leur ai dit à toutes que ce n'est pas possible. Ma petite femme là, je l'aime, c'est avec elle que je vais vivre ma vie. Oui, elle n'a rien laissé. Elle n'a rien pour vous. Pour moi, elle a beaucoup. Et je suis resté loyal à elle. Et c'est elle que j'ai épousée jusqu'à ce qu'elle retourne au Seigneur. On est resté ensemble et elle connaissait ces choses. Et c'est aussi pour cela qu'elle m'aimait beaucoup. Elle m'aimait beaucoup. Parce qu'elle connaissait combien je l'ai valorisée devant d'autres femmes qui pensaient être plus riches qu'elle ou bien plus belles, etc., etc. Je leur ai dit que celle-ci, je l'aime pour ce qu'elle est. Elle a une valeur que vous ne voyez pas. Je ne peux pas l'abandonner. Cette femme a été avec moi dans les moments les plus compliqués de ma vie. Donc cette dignité-là manque aujourd'hui. La dignité, c'est important, mes amis. C'est très important. Dans l'église, aujourd'hui, il n'y a plus de dignité. Même nous, les hommes de Dieu, on a perdu la dignité. Dans l'église, on a perdu la dignité. Tu trouves un homme de Dieu dans l'église, il a couché déjà avec 50% de ses brebis, de ses filles dans l'église. C'est une honte. C'est une honte. Et quand ton ministère ne va pas fonctionner, tu vas commencer à raconter que non, tel a trempé. Toi, tu es où? Tu trempes ton zizi en désordre. Ton zizi n'a aucune discipline. Un zizi qui n'est pas né de nouveau. Tu es né de nouveau partout, sauf là-bas. Et ça fait problème, ça pose un réel problème. Ça fait un réel problème, mes amis. Tu dois être discipliné. Après, tu vas dire que non, mon ministère ne prospère pas. Qu'est-ce que tu sèmes dans ton ministère? Tu sèmes quoi? Tu es quel genre de père? Ça, c'est l'inceste spirituel. C'est l'inceste spirituel. Donc, il faut la discipline de vie, la dignité. Retrouve ta dignité. Que Dieu te fasse retrouver ta dignité. Que Dieu te fasse retrouver ta dignité. Une femme digne, tu ne peux pas mettre son dos par terre pour l'argent. Mets les milliards, elle te dira, ce n'est pas possible. Une femme digne ne peut pas être fidèle à son mari. Elle ne peut pas. Tu fais n'importe quoi, n'est pas. Et puis, une autre, un homme digne ne peut pas être fidèle à sa femme. Donc, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. C'est lorsque tu perds ta dignité que le diable peut atteindre ta vie. C'est là que le diable atteint ta vie. C'est là que le diable atteint ta vie. Et vous savez, je vous dis quelque chose. Vraiment, ne prenez pas ça mal. Hein. Mais si vous voulez, vous prenez mal. Il n'y a pas de problème. Ce que je veux dire. Attendez, je remets mes écouteurs. Ne prends pas ça mal. Ne prenez pas mal. Je vais dire quelque chose qui est très sérieux. Mais ne prends pas mal. Je vous avertis, pardon. Voilà. Dis en commentaire, je ne prends pas mal. Je ne vais pas prendre mal. Ne prends pas mal. Je peux dire. Est-ce que je peux dire? Dites-moi en commentaire, je peux dire ça. Je peux parler maintenant. Les habitants de Douala, tout à l'heure à partir de 17h. Donc bon, derrière l'immeuble Kamelin, je suis avec vous. Pour le brisement des limites. Oh! Dieu doit renverser les limites. Dieu doit renverser les limites dans ta vie. Les limites doivent être renversées, les barrières spirituelles. On va renverser ça. Si tu manques le programme, si ça te regarde. Ok, est-ce que je peux dire? Je peux parler. C'est personnel, je vous avertis. C'est personnel ce que je veux dire, ça me concerne. Tu n'es pas obligé de m'écouter, tu peux boucher l'oreille. Mais laisse-moi parler. Donc, vous voyez, quand j'ai épousé Momi à l'époque, je l'ai connue, elle a cru entre mes mains. Et je l'ai forgée, je l'ai formée. J'ai formé l'image de Christ en elle. Je l'ai formée comme une guerrière. Et on a réussi notre mariage. Donc, aujourd'hui, supposons que à l'époque, j'étais célibataire et qu'il faut que je prenne une femme, comment je vais dire ça? Comment je vais? Seigneur, donne-moi la sagesse parce que moi, je ne veux pas troubler quelqu'un. Ça, c'est l'os. Qu'est-ce que je veux dire? Avec ce que je veux dire, laissez-moi dire ça comme ça. Dans l'église, aujourd'hui, c'est difficile d'avoir
les épouses. Il y a les femmes, mais les épouses, c'est difficile. Et c'est difficile d'avoir les époux. Oui. C'est difficile. Est-ce que vous comprenez? C'est difficile. Parce que la plupart, je dis encore, la plupart des sœurs qu'il y a dans nos églises mènent des doubles vies. La plupart des frères dans les assemblées là ne sont pas sérieux. Ils mènent double vie. Ça fait que pour se marier dans l'église aujourd'hui, c'est très compliqué. On est dans les problèmes, mes amis. Pour trouver une femme, c'est compliqué. Sur 10 femmes que tu vas trouver à l'église, peut-être 8 ne sont pas sérieuses. Il n'y a que 2 ou 1 ou parfois même aucune. Parfois aucune. Vous voyez une soeur à l'église, elle chante dans la chorale, mais vendredi soir, elle en boit de nuit. C'est la réalité. La plupart des hommes qu'il y a dans nos églises, les frères là, ils couchent entre eux dans les églises. Dans nos églises là, ils couchent. Rémanés par épargnés, hein, ils sont dedans là, ils couchent. Ils demandent la main à une fille. Et les frères, les femmes, écoutez, je vous donne leur secret. Écoute bien, je te donne leur secret. Les frères à l'église savent que s'ils viennent te draguer, que je veux faire de toi ma copine, tu ne vas pas croire, tu ne vas pas accepter. Alors ils viennent avec quoi? Je vais t'épouser. Et comme vous aussi, vous êtes bêtes comme les moutons de Garoua que je lavais à l'époque sur le pont de la Benoué. Dès qu'un homme te dit je vais t'épouser, tu lui livres la marchandise en gros. Même pas en détail. C'est le gros, livraison en gros. Vente en gros, immédiatement. Non, madame, la promesse du mariage n'est pas le mariage. Il y a une vie. Il y a une vie. Il y a une période importante entre la promesse et le mariage. La promesse n'est pas le mariage, il faut faire attention. Mais on t'embarque dans une affaire que toi-même tu ne comprends pas. Dès que le gars dit, c'est moi, je vais t'épouser. Tes pieds, tu as des écartés. C'est en l'air, tout est en l'air. Ta grand-mère faisait comme ça. À l'époque de ta grand-mère, ça se passait comment? Il faut faire attention. Parce que pas parce qu'un homme a dit, je vais t'épouser. Je vais t'épouser, c'est bon. Mais le mariage, ce n'est pas les paroles, ce n'est pas la bouche. On prouve. Il doit prouver, il doit suer. Il doit souffrir. Si un homme t'aime, il souffre. Si tu dis non à un homme, il s'en va, il ne t'aimait pas. C'est un aventurier, il venait pour profiter de toi. C'est un trafiquant de destinée. Tu m'appelles, on le tape, on l'arrête ensemble, on le tape, tu tiens le pied, tu tires par quatre, on le fouette bien. Et il part, il ne va plus jamais faire ça à une autre femme, à une de mes filles. Donc, si un homme vient qui veut t'épouser, fais-le souffrir. Te donne la permission. C'est moi qui te dis ça. Fais-le souffrir. Fais-le souffrir. La même chose pour la femme. Quand une femme... Tu veux épouser une femme, fais-la souffrir. Demgo sofa, mega sofa. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est mauvais. C'est mauvais, mes amis. Les démons sont déguisés en anges de lumière dans nos églises. Même les païens dehors, un païen, il sait que les filles chrétiennes sont bien. Je peux avoir une d'entre elles là, elle ne me trompera pas, tandis que moi, je veux continuer mon vagabondage là-bas dehors. Le gars vient, alléluia. Amen, alléluia, amen. Ce n'est pas alléluia, amen qui fait des circoncis. Non, c'est la conversion. Hosea tisen Christo kahine ketisis. Tar kahi apparel ten idu gegonen kahine. Si quelqu'un en Christ est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues. Ne vous fiez plus aux paroles. Okay, au nom de Jésus. Oh, j'ai une de mes filles qui est allée prendre un païen. Elle prend un païen pour venir me le présenter. Et elle dit au païen, elle oublie que je suis un prophète. Elle dit au gars que tout ce qu'il va dire, dis seulement alléluia, amen. Dis-lui que Jésus, amen, alléluia, maranatha. Je parle, j'ai dit bonjour, le gars dit maranatha. J'ai dit comment tu t'appelles? Il dit Jésus. J'ai dit que vous êtes rencontré comment? Il dit alléluia, amen. J'ai appelé la fille à côté. Non, j'ai d'abord demandé au gars. Quand j'ai compris ça, je lui ai dit prends la Bible. Je lui ai remis la Bible. J'ai dit ok. Ouvre-moi Habakkuk. Il m'a demandé que Habakkuk c'est qui? C'est quelqu'un? C'est quoi? J'ai appelé ma fille à côté. J'ai dit que pourquoi tu fais ça? Tu te fais du mal à toi-même. Et c'est ça dans l'église aujourd'hui. En fait, c'est ça le problème dans l'église aujourd'hui. On ne sait plus qui est qui. On ne sait pas qui est qui. Tu vas dans la chorale, tu ne sais pas qui est qui. Parmi les hommes de Dieu, qui est qui? Parmi les fils de prophètes, qui est qui? Le peuple, alors pardon, ne me faites pas ouvrir le dossier là. Là-bas encore, c'est plus dangereux. C'est plus dangereux. Il faut faire attention. Et c'est pour ça que les gens se marient, ils divorcent. Tu te maries, ça ne fait pas un mois. C'est le problème. Marie, pourquoi? Parce que c'est des inconvertis qui marient des inconvertis. Donc, il faut que les cœurs soient circoncis. Que les cœurs soient circoncis. Lorsqu'un cœur vrai est converti,
rencontre un cœur vrai et converti, et que les deux se marient, le mariage est heureux. C'est là-bas que le mariage réussit. Mais si un circoncis de cœur, c'est-à-dire né de nouveau, va épouser un faux circoncis de l'église, le mariage ne peut pas subsister. Parce qu'après, tu vas découvrir le vrai visage de l'homme ou bien de la femme. Et je vous dis la vérité, mes amis, il n'y a rien de plus douloureux dans un mariage que de savoir que tu partages ton mari avec d'autres femmes ou que tu partages ta femme avec d'autres maris. Vaut mieux vivre célibataire que d'expérimenter cette expérience. J'en ai fini, hein. J'arrête là. Demain, on va continuer. Le direct, c'était Wassa Wassa. Comme ça, là, juste pour qu'on puisse avoir un moment de prise de conscience. Et demain, on va revenir. Je n'ai pas pu appeler maman parce que le dispositif n'est pas sur place. Demain, je pense qu'on va l'avoir en direct. Donc, on va prier. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Que Dieu te bénisse. Recherche ta dignité. La dignité. Oh, écris dignité en commentaire et Dieu te remet ta dignité. Madame, peut-être tu as mené une vie de chienne. De chienne. Il y a des gens qui mènent une vie de chien. Il y a des gens. Quand tu regardes ta vie, tu as honte. Il faut arrêter ça. Arrête avant que la mort ne te surprenne. Arrête. Arrête avant que la mort ne te surprenne. Arrête. Ce n'est pas une bonne vie. Jeune femme, ce n'est pas une bonne vie. Tu es en train de gaspiller ta vie. Tu es en train de vendre ton âme au diable. Jeune homme, ce n'est pas une bonne vie. Homme de Dieu, ce n'est pas une bonne vie. Tu peux être un homme de Dieu, tu es en boîte de nuit tous les jours. Avec les brebis, vous tamponnez là-bas. Tu es un homme de Dieu, tu bois, tu fumes. Vraiment, c'est dangereux lorsque ton pasteur était un inconverti. Lorsque ton pasteur était un inconverti, un incirconcis. Et c'est malheureux. Les brebis là sont dans un malheur sans précédent. Lorsque votre homme de Dieu n'a pas la crainte de Dieu, lorsqu'il a abandonné Dieu, lorsque ton pasteur est un païen, c'est dangereux. Lorsque ton pasteur est un païen, c'est dangereux. Et il y a des hommes de Dieu païens dans l'église au Cameroun. Païens, ils parlent en langue. Il vient prophétise, il vient faire ceci. Pourtant, il a fait la partouze la nuit. Il a dormi en boîte de nuit. Il boit, il fume, le chambre indien, il tire ça. Il fait tout. Dimanche, il s'arrange. Bien, il met le costume. Il vient, il prie, il donne de fausses prophéties, de fausses déclarations, de faux ainsi par l'Éternel. Tôt ou tard, on rendra compte. Mais j'ai dit, c'est une honte pour vous-même qui faites ces choses. La dignité est importante. Un homme de Dieu a une dignité. Parce que des centaines de personnes, de milliers ou de millions de personnes dépendent de ta vie. Donc tu dois être un exemple. Une de mes filles a croisé un prophète que je connais bien, en boîte de nuit. Le gars avait la casquette. Mais elle a regardé sous la casquette et dit, mais je te connais. Il a dit, chut, ne parle pas. Oh, ne parle pas. Ne dis jamais ça à quelqu'un. Tu n'as pas fait quoi en boîte de nuit en tant qu'homme de Dieu? Sincèrement, je cherche quoi dehors? Ton ministère va tomber, tu vas nous accuser que nous on est sorciers. Tu m'as déjà vu en boîte de nuit un jour. Ou à la rue de la joie. Il faut faire attention. Donc que Dieu préserve nos vies, qu'il préserve nos cœurs. Ton succès est dans ton cœur. La dignité. Oh, la dignité. Dis Seigneur, donne-moi la dignité. Mets dignité en commentaire. Je veux prier pour ça. Pour l'esprit de la dignité. Si un homme trouve la dignité en toi, il va t'épouser. Une femme trouve la dignité en toi, monsieur, elle va t'épouser. Que Dieu vous donne des maris pleins de dignité, qui vous donne des femmes pleines de dignité. Que Dieu ramène la dignité dans son église au nom de Jésus de Nazareth. La dignité parmi les hommes de Dieu. Mets dignité s'il te plaît en commentaire. Et Dieu te restaure la dignité. Dieu te donne la dignité ce matin. Père, je prie au nom souverain de Jésus de Nazareth. Ta grâce. Nous pleurons pour la dignité ce matin. Seigneur, la dignité parmi les femmes. La dignité parmi nos hommes. Au nom souverain de Jésus. Que la vulgarité soit plus notre partage. Seigneur, que la vie de désordre, la vie qui ruine l'humanité, ne soit plus notre partage. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute ce matin et qui mène une très mauvaise vie, qui vit, Seigneur, dans l'iniquité, le péché, dans la débauche, dans les adultères, les boîtes de nuit, les boissons, les beuveries, etc., les drogues et tout. Et qui a le désir de revenir à toi. Seigneur, circoncis son cœur. Ramène ces personnes à toi ce matin. Rétablis ta dignité dans leur vie et dans leur cœur au nom souverain de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. Que ton nom soit glorifié, qu'il soit élevé au plus haut des cieux. Merci pour la dignité que nous avons retrouvée ce matin. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Bien-aimé, rendez-vous ce soir à partir de 17h en Dogbon, derrière l'immeuble Kamler, ici, à Douala. Je suis à Douala. We are here. Les habitants de Douala, nous sommes là.
Rendez-vous tout à l'heure, 17h, à Ndokbon, derrière l'immeuble Kamley. Demain, nous aurons un direct très fort à partir de 10h. Ne manque pas, sera très fort. Je veux prier pour les guérisons, pour les miracles, pour la libération des destinées qui sont bloquées. Donc, désolé pour le décor qui est inhabituel. Pour le reste, le Seigneur nous bénira. Dignité, dignité devant l'Éternel. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus, j'ai prié. Amen. Shalom, shalom.